Salut à tous, nouveau projet aujourd'hui, on va fabriquer une petite table pour l'apéro et je vais utiliser, hop, tu vois, une planche de contreplaqué comme ça sur laquelle je vais faire une petite gravure, je te montre sur l'ordi. Donc je sais pas si on voit bien, mais là je vais faire une petite gravure. Voilà, bon, il y a Homer Simpson, tout travail mérite sa bière. Bon allez, c'est parti, première étape, je vais mettre la planche sous la graveuse laser. Voilà, donc la graveuse est positionnée sur le plateau. Bon allez, du coup on va s'attaquer au pied de la table. Donc là j'ai découpé mes trois tubes de 40 par 40 par 2 mm. Voilà, donc les tubes ils font 65 cm, donc 650 mm de longueur. Tu vois, au milieu de chaque tube j'ai tracé un trait des quatre côtés. Bon, comme tu peux voir sur le plateau, ici j'ai fait un triangle. Voilà, donc pour faire un triangle, il faut d'abord faire un cercle, c'est beaucoup plus simple. Triangle comme ça, j'ai mis des petites cales ici pour que les pieds ne glissent pas. Et là, je me suis fait un petit collier avec des riselants. J'en avais pas des plus grands, donc j'ai utilisé plein de petits riselants, comme ça. Tu les mets dessus, que ça fasse à peu près la largeur des trois tubes, avec un petit peu de marge quand même. Et tu vois, quand on est ici, et ben, il suffit d'après commencer à faire pivoter les trois tubes tranquillement. Voilà. Donc là je les positionne là-bas. Ah, donc l'avantage c'est que ça tient les trois tubes comme ça sans que ça se casse la figure dans tous les sens. Et là bah t'as juste à descendre en gardant bien en contact le trait que j'ai tracé au milieu va me servir de point de référence ici. Quand j'aurai mes trois traits côte à côte, et ben, ça veut dire que je serai bien centré. Il y aura un peu de décalage. Si vous voulez que les pieds soient plus larges que le dessus, bah après vous faites les traits un peu plus haut, c'est tout simple. Moi je vais les faire symétriques, donc c'est pour ça que je les fais au milieu. Donc là je vais vous montrer plus près. Bon, je sais pas si on va bien y voir, mais en gros je descends mon petit collier. Et dès que j'arrive au niveau des traits, et ben ça voudra dire que je suis bon. Hop. Donc là je vais quand même mesurer pour voir si je me suis pas trompé. Donc 516 mm. Au bord, là, je suis à 514. Et 515. J'ai un tout petit peu décalage ici. C'est pas grand chose. Là, ça devrait être bon. J'ai coupé les tubes droits, donc directement à 90. Et comme ça, maintenant, je vais pouvoir calculer les angles pour les couper comme il faut. Donc pour ça, plein d'astuces, plein de méthodes. On peut se servir du rapporteur ici. Ça fonctionne bien. Là, je vais me servir d'un niveau à bulle, mais avec les degrés directement ici. Je le positionne là. Alors, on se met bien droit. Voilà, donc 52 degrés. Mon angle est à 52 degrés ici. On peut voir au niveau du laser. Là, j'ai mis mon rapporteur comme ça. Bon voilà, après plusieurs essais, j'ai réussi enfin à graver comme je voulais. Donc là, j'ai utilisé la Horture. Voilà, je vous avais fait une vidéo complète sur cette graveuse. Et ben, franchement, elle tient la route hein, par rapport à l'autre là. Donc la gravure est nickel. Alors mon bois était un peu crade ici, mais ça a bien creusé. Bon allez, c'est parti, on va passer à l'étape de la soudure. Donc cette vidéo est en partenariat avec Decapower, une marque de poste à souder. Donc là, hop, on va le sortir et on va voir ça ensemble. Je vais pas faire une démonstration complète, mais au moins on verra l'utilisation. Alors c'est dommage, par contre, il a pas de roulette. Il a pas de support avec des petits tampons, donc il faudrait un chariot pour celui-là. On a un petit coffret d'accessoires, là, je viens de voir. Avec un magnifique casque de soudure. Donc ça, vaut mieux pas s'en servir, hein, parce qu'il y a des petits interstices. Ça risquerait de vous cramer la rétine.
Donc là, faire très attention avec ce genre de choses. Mettre ça vraiment pour dépanner, mais il faut, faut une vraie cagoule. La prise de masse, la pince de masse avec la pince porte-électrode. Parce que celui-là, c'est un multiprocédé. On peut faire TIG lift, électrode enrobée et MIG-MAG. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le MIG-MAG. Enfin, le MAG. Voilà la pince, la torche. Bon, alors, c'est pratique sur l'antis, il y a tout marqué. Le branchement de la polarité ici. Voilà, donc MIG bag avec gaz, no gaz, MIG TIG MMA. Alors là, c'est un poste à souder avec une fonction synergique. Synergique, c'est tout simplement que on positionne ici sur la synergie et il y a juste à régler le bouton d'ampérage. Et là, ça nous donne quelle épaisseur on va souder. Donc par exemple, moi là, ça va être du 2. Hop, je le mets sur 2 mm. C'est un réglage automatique en fait. Il y a juste à mettre l'épaisseur du métal. Et c'est prêt à souder. Donc on va voir tout de suite si ça fonctionne bien. Enfin, je rajouterai un tout petit peu plus de fil, mais vraiment pas grand chose. Je vais le mettre en mode manuel quand même, parce que bon, je préfère quand je fais mes réglages. Là, il est en mode synergique. On va le mettre en manuel. Je te montre, j'ai soudé des platines pour les pieds. Voilà, donc avec de la tôle de 2 mm d'épaisseur. Impeccable. Les 4 pieds. Les 3 pieds. les 3 pieds sont soudés. Donc voilà, après j'ai meulé grossièrement. Il faudra que je finisse avec la ponceuse excentrique et avec un grain plus fin. Là, tu vois, je vais pas le peindre. Je vais le laisser couleur métal brut. Bon, je vais juste brosser, dégraisser, enlever les traces de stylo. Mais je vais le laisser comme ça, parce que je trouve que c'est joli avec, avec la couleur du bois comme ça, effet vieilli. Regarde le rendu d'ailleurs. En fait, j'ai passé 3 couches de vitrificateur. Et le rendu est plutôt pas mal. Comme ça, bien protégé. Voilà. Bon, derrière, j'ai pas en noir. Bon, la table est terminée, dernière étape, donc elle n'est pas terminée, il reste juste à faire des découpes dans ça, c'est une mousse autocollante. Je m'en sers à chaque fois pour les pieds de table, ça va super bien, c'est très résistant, et quand on déplacera la table, ça évitera de soit de rayer le sol, ou soit de rayer les pieds et de tout abîmer. Surtout que celle-là, elle va être dehors. Donc, petite découpe là-dessus, je colle ça, et puis ça sera entièrement fini. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
cette petite réalisation. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc comme ça, type vraiment industriel. Donc je suis bien content du résultat, elle va bien servir cet été. C'est une petite table pour l'apéro, pour mettre dehors, voilà, en terrasse. Concernant le poste à souder des Capower que j'ai utilisé, je vous mettrai le lien en description. Je vous ferai peut-être un test dans une prochaine vidéo, mais là, c'est un peu chargé en ce moment, beaucoup de projets. De ce que j'ai vu, plutôt positif. Juste la ventilation qui est un peu trop forte, que je trouve un petit peu trop bruyante. Sinon, très pratique. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, eh ben, likez un maximum pour que ce genre de vidéo soit référencé et que ça me motive pour en faire d'autres. Voilà, de toute façon, il y a plein de projets qui arrivent sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas le cas. Je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc vérifiez. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain épisode. A plus, ciao!